Yo tout le monde, c'est Gun Team, on se retrouve pour l'épisode 1 d'Atlas. Donc je me suis dit que vu que j'avais fait un live d'une heure sur ce jeu et que c'était l'épisode 1, j'allais en refaire j'allais refaire le jeu, mais comment dire, avec un temps. Là par exemple je vais avoir 15 minutes. Alors le timing va être lancé et hop, on va commencer. Donc, alors. Et voilà. Donc c'est parti. Donc, Outlast contient des scènes violentes, intenses, de sang, contenu graphique, d'ordre sexuel et de langage grossier. Bon, amusant. Vous incarnez Mike Cooper, un journaliste d'investigation dont l'ambition va de lui faire connaître l'enfer sur Terre. Toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun autre journaliste n'est prêt à étudier, vous allez chercher et révéler le sombre secret que recèle l'asile de Mount Massive. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez, mais vous n'avez besoin rien d'un combattant. Alors, pour parcourir les auras de Mount Massive et dévoiler la vérité, vous devrez fuir, vous cacher ou mourir. Donc, voilà. On va faire la petite sauvegarde. Oui. Donc. Alors, le chargement est un peu lent, je l'avoue. Donc on va arriver avec la Jeep, je crois, avec une Jeep. Le commissaire Salazar du département de l'agriculture déclarait. Bah au pire, je vais vous laisser lire. L'asile. Si vous voulez lire ce que dit le personnage, vous mettrez pause. Donc, t'arrêtes le contact ou comment ça se passe? T'as déjà un loup, ouais. Donc, alors, de nanana, mute mate. Vous ne me connaissez pas, mais il faut que je fasse vite, il me surveille peut-être. J'ai une mission de 2 semaines. Tant de consultant, logiciel, site, moi, psychiatrique, système, à Mount Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité. Je suis en train de violer en ce moment. Ouais, bon, mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas. Je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Tout bis parlant d'une thérapie aurique qui allait trop loin, de la découverte de quelque chose les attendait dans la montagne. Des gens soufflent que Murkoff se met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Y a pas de problème, j'ai pris ma GoPro, acheté 2€ sur Amazon. Moins 20. Yo tout le monde, c'est pour le vlog. Okay. Tu devrais prendre ton badge. Tu devrais prendre le badge. Tu devrais prendre ton putain de badge et enlever les putains de clés de la bagnole. Putain. Donc, alors. Nope. Ok, ça commence déjà. D'accord, on peut pas refermer, c'est super.
T'as comment il court. Ah ouais. Ah mais il y a... Il dit... On peut? Mais bien sûr que non. Ça serait trop facile. Trop. Ah ouais mais... Ils se sont pris pour qui là? On peut entrer par là peut-être. Nique bien ta mère. Donc. Youpi. Il manquait plus que ça. Hop. Là, voilà. Et voilà. Je me rappelle de ce moment. Donc on va quand même fouiller un peu partout parce qu'on sait jamais. Pour l'instant on a que deux piles. On les a achetées chez Auchan. Ferme la porte. Mais clac. Putain. Ton père le schlag. C'est bon, le truc qui veut me faire peur comme ça là. Doucement. Mais... Ah y'a un truc qui va me choper. Bah maintenant. Cool un bureau. Donc. Des piles. Attends, le mec il peut prendre que des dossiers. Ah voilà. Donc, ce dossier raconte quoi de beau? D'accord. Leur document. Initiation du patient Billy machin. Date, on s'en bat les couilles. Âge du patient 19. Oh, le patient déclare avoir progressé vers l'état de rêve lucide auto-intuitif. Vous mettrez pause hein, pour lire. Ah c'est chaud. Eh. Vas-y, tu t'es pris pour qui? Le mec il me ferme la porte au nez. Ben, je fais pareil. Ouais non en fait non, je vais pas rester ici. Oh je serais resté ici, je crois que je serais mort. Ton père le schlag. C'est beau. Tombe par terre, je te pisse dessus moi. Pousse-toi. Mais pousse-toi. Oh putain je te jure. C'est un mec de l'arme ça. Ils nous ont tués. Ils s'échappent et varient. Oui, 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 t'as pris de la drogue. Putain non, on est tombé sur l'obèse. Comment t'as fait? Je t'ai même pas entendu. Tu te barres vers la porte. Puis... Oh, c'est comme maman qui me chante une berceuse. C'est trop bon. Oh oui. Ah non, je suis pas un autonome. Non, j'ai pas une mission, c'est mon devoir. Je suis payé pour ça. À part si on n'a pas la même notion. À part si toi tu trouves que je suis là pour, je sais pas moi, enculer des coqs ou des chats, je sais pas. Hein? Ah d'accord. Non mais écoute, chacun son style hein. Moi j'aime pas baigner dans mon... Ah ouais. Ah ouais. Donc. Alors. Par réflexe donc. Ok un PC allumé, on peut pas le prendre et rentrer chez nous directement parce que comme ça on aura un meilleur PC. Toi je m'en rappelle la dernière fois, bouge pas ta. Eh salut les gars, vous regardez quoi? La PLS, la PLS.
Ah, toi, toi, t'as fait de la chirurgie. Ça s'est mal passé, je crois. C'est obligé, ça s'est mal passé. Tu vas pas me dire que c'est ton visage normal. T'as le visage que seule une mère peut aimer. Vas-y. Donc. Bon, je vous laisse regarder votre émission. Toi, tu bouges pas. Tu vois? Mais bouge ta mère, monsieur propre. Faites-moi sortir, pitié. Mais vas-y. Mais tu joues bien ton jeu là sur ton fauteuil roulant, tu sais marcher. Tu crois que je te vois pas? Vas-y, mets-toi en PLS, vas-y. C'est bon. Si c'est toi. Ah, le mec il m'agresse comme ça. Ah, un dossier. Alors le dossier. Alors je vais vous laisser quelques secondes. Moi perso je m'en bats un peu les couilles. Pour mettre pause sur la vidéo et regarder le dossier. Je vous laisse 5 secondes. Et remettre pause parce que... Il y a un deuxième dossier. Ok, c'est bon. Donc, on est toujours là. Donc, j'étais un coup. Ne passe pas. Mais tu fais quoi? D'accord. Bon, bah écoute, je crois qu'il a eu une diarrhée, une grosse diarrhée. Hein. Bon, on va le laisser quand même. Ouais, ça c'est la femme de ménage. Il croyait sérieusement que le bras allait passer. Je sais pas. Ah, l'araignée. Ouh, je le sens pas bien. Ouais, c'est bon. Putain, les mouches, il y a des mouches partout, c'est dégueulasse. Donc. Ouais, youpi, j'ai la carte. Alors, bon, et s'il y a quelqu'un autour? Ok, c'est bon, YouPorn. Donc, on va rentrer dans le truc de sécurité pour voir toutes les caméras et celui des vestiaires. Non. Eh, on avait une mission, t'étais sympa tout à l'heure, t'étais sympa. Pourquoi? T'es chiant. Vas-y, c'est beau. Pourquoi se vermer? Putain. Je suis caché. Tu me vois pas, je suis caché. Nous sommes ici pour faire le vlog. Un gros. La personne la plus grosse du monde est là. Waouh. Ouf, aïe. Lève-toi. Tu m'attraperas pas. Tu m'attraperas pas. Ah ben oui, tu peux pas passer, hein, vu que t'es gros. Donc. Alors, on va lire ce document. Donc. Dossier recherche expérimentale hypnotique 10 février 1954. Et vendredi 10 février 1954, les recherches expérimentales hypnotiques sont... poursuivi dans le bâtiment 13, la zone naturelle de Monde Massif, dans le Colorado, sur les sujets suivants, test agréé, les tests hypnotiques, je mettais pause, voilà, n'hésitez pas à tuer, tuer Jackson, c'est vous qui ont tué Michael Jackson, bon mettez pause, voilà, donc, alors, donc on va... T'as pas encore plus discret, s'il te plaît.
Il vient pas par là. Il vient par là. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, moi je suis un te... Je suis plus... Allez, mais passe, putain, c'est qu'une porte. Aïe, 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 aïe. Tu peux pas passer. Tu... Je m'en fous. M'en fous. La perso, la caméra, c'est vraiment le dernier truc à penser. Vas-y. Là, tu cours, tu ne t'arrêtes pas, tu cours, tu... Tu cherches même pas. Je suis caché, tu me vois pas. Ah, il me cachait. Éteins-la. Non, 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 non. S'il faut, je vais le remettre, ce sera comme ça. Coucou, tu veux voir ma bite? Va très loin, s'il te plaît. Tu m'as vu et tu me compares à un fantôme. Mais arrête de respirer aussi fort, toi aussi. Fais chier. Là, 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 c'est bon. Il me trouve pas. S'il te plaît, il me trouve pas. Non, non, non. Marco ? Je m'appelle pas Marco ? Oh, oh putain, là j'ai de la chatte. Je peux remettre l'eau. Oh. C'est beau. Attends, what? On remet l'électricité alors qu'il y a de l'eau partout. Oh le bâtard. Ah ouais, à ce point, con. Bon bah c'est pas grave. Hein? Et t'es qui? I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Oh, les dents jaunes, mon gars. Ah ouais. Mais pourquoi tu me casses les couilles, monsieur propre? Franchement. L'autre là, hein, je connais le pape qui a fait François, ferme ta gueule. Juste, ferme your fucking gueule.
Alors. Il m'a laissé avec ma caméra ou pas? C'est une chose. Ah ouais, quoi. J'ai tout de ceux qui pourraient faire tout pour tout comme un temps, mais non. Garde-le, donne-le à tout le monde. Bon. Et ben voilà. Hein. Bon. Ben on va peut-être s'arrêter là, mais avant on va lire un peu les messages. Red in peace. Rest in. Bon ben, vous voulez savoir ce qu'il y a là-bas? Eh ben vous le verrez dans une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.